Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni ce mardi avec le chef du gouvernement, Mustapha Madbouly, et le ministre des Finances, Mohamed Maït. Le chef de l'État a examiné lors de cette réunion le projet du bilan de la prochaine année fiscale 2024-2025. Le ministre des Finances a passé en revue les indices du nouveau bilan qui vise à réaliser un taux de croissance de 4% du produit intérieur brut, à réaliser un excédent de 3,5% et à réduire le déficit total sur le moyen terme à 6%. Al-Sissi a donné ses directives pour préserver la discipline monétaire et à poursuivre toutes les mesures nécessaires pour réduire la dette générale. Le chef de la diplomatie, Samer Choukri, doit recevoir aujourd'hui une délégation du mouvement palestinien Fatah, présidée par Mahmoud El-Alloul, vice-président du mouvement. La rencontre aura lieu au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative. Elle sera centrée sur l'examen du développement de la situation dans les territoires palestiniens occupés, sur la dernière escalade en Cisjordanie et sur les violations de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza.